Maintenant, la température du sol, voilà une courbe intéressante. Donc, on a, dans un premier temps, une courbe en rouge qui est la courbe de température extérieure de Montréal sur toute la période de l'année. Donc, on a ici les mois de l'année et puis on a les températures sur la verticale. Et donc, la courbe rouge Montréal, la courbe bleue Québec. Et la courbe verte est la courbe de température du sol à 5 pieds de profondeur environ. Donc, on voit d'abord que le sol ne gèle pas à 5 pieds de profondeur et que la variation de température est beaucoup moindre. Donc, déjà ici, on peut concevoir que enterrer un bâtiment, au moins en partie, peut nous faire gagner beaucoup d'énergie parce qu'on perd beaucoup moins d'énergie vers le sol, qui est plus chaud en hiver, que vers l'air extérieur, qui, lui, est beaucoup plus froid. Donc, ça nous donne une indication que ça peut être intéressant d'utiliser le sol comme matériau de construction pour se préserver du froid et à faire des économies d'énergie et rendre les maisons ou une habitation, une construction beaucoup plus efficace.